L'idée, c'est justement de s'épanouir et de se recharger auprès de Dieu pour ensuite donner aux autres. C'est un mois où on est proche de ses voisins, on est proche de ses collègues, on est proche de ses camarades de classe, on est proche des gens dans la rue, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on va être à l'aide de n'importe qui. Un verset qui illustre non seulement le bon comportement, mais quelque chose de magnifique, qui est la dualité entre la spiritualité et l'éthique. Du fait que Dieu nous demande à la fois de purifier notre intérieur et d'être proche de lui, mais aussi d'être bon dans notre comportement et dans notre manière d'être avec les autres. Et des versets qui parlent de ça sont des versets de Sourate Al-Furqan, où Allah nous décrit un type de serviteurs qui sont les serviteurs du miséricordieux. C'est lui qui les appelle ainsi, et c'est un degré assez élevé de personnes proches de Dieu. Et il dit, dans le début, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Il les décrit comme des personnes qui marchent parmi nous, qui marchent sur terre comme nous, de manière humble, avec modestie, avec humilité. Justement des gens qui ne se prennent pas la tête, qui ne pensent pas être au-dessus des autres. Et quand on est humble et qu'on ne pense pas être au-dessus des autres, on est tout de suite à l'écoute des autres. Et Dieu dans ce verset va même plus loin, il dit وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Il dit que même avec les personnes qui entre guillemets seraient ignorantes, même des personnes qui seraient inconscientes, même des personnes qui seraient complètement en divergence avec nous, eh bien ces serviteurs du miséricordieux leur répondent paix. Et le verset qui vient juste après, Dieu dit وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, debout et aussi en prosternation pour leur Dieu. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont trouvé l'équilibre total entre cette relation avec Dieu pendant la nuit, où je me ressource, où je suis proche de mon Seigneur, où je prie pour lui, où je me prosterne devant lui parce qu'il est mon Créateur, qu'il est le plus haut, le majestueux. Et cette relation avec Dieu, l'impact qu'elle a sur mon cœur, c'est justement de me faire sentir que, eh bien, toutes les créatures de Dieu sont gentilles, sont bonnes et méritent que je sois à leur service, méritent que je sois à leur écoute, méritent que j'essaie de les aider, méritent que je parle avec eux, que je les aide.